Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette petite vidéo Eden Eternal où je choisis de faire cette vidéo justement pour vous montrer comment vous allez vous faire des PO facilement sur Eden Eternal. Donc, tout d'abord pour commencer, je vous préviens que vous avez besoin d'un petit budget de 5000 PO minimum. 5000 PO minimum et aussi une enchère portable. Cette enchère portable là, ça vous permet de consulter en permanence si quelqu'un n'a pas mis un petit objet pas très cher. Un petit objet pas très cher, par exemple, je ne sais pas, vous fouillez un peu et vous avez par exemple une tenue de ninja de talent qui est à 400 PO. Par exemple, vous pouvez très bien l'acheter et une fois qu'il n'y en aura plus du tout en vente, une fois que tous ces costumes de ce type se seront vendus et qu'il n'y en aura plus du tout sur le marché, vous pouvez le revendre à 1000 PO voire 1200 PO, vous allez faire beaucoup d'argent. Par ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté le maximum d'items que j'ai pu. J'ai acheté le maximum d'items et je les ai achetés pas cher. Par exemple, j'ai acheté un costume exceptionnel de ce type-là, je l'avais acheté à 1000 PO. Ces deux-là, je les ai achetés à 800 PO chacun, un tri commando noir et un ensemble de grilles à noir, je les ai achetés à 800 PO. Ces ailes-là, par contre, j'ai eu à l'hôtel, j'ai eu beaucoup de bol. Le point des enfers, j'en ai acheté deux, j'ai acheté à 1000 PO chacun. Voilà, je les ai achetés à 1000 PO. Il suffit de trouver quelqu'un qui vend en canal monde, par exemple, quelqu'un qui vend un tout bon canal monde, on essaye de lui parler, patati patata. On lui demande s'il ne peut pas faire un petit prix pour nous et tout. Et une fois qu'il nous a vendu, on attend que ces costumes-là et que ces objets-là se font rares. Et là, on revend et on se fait beaucoup d'argent. Une fois que vous avez tous ces objets-là, vous les gardez en archive, vous les gardez dans votre sac. Vous attendez que le temps passe et que l'hôtel change, que tous les autres costumes de ce type se vendent. Par exemple, ces costumes qui sont à l'hôtel, vous les achetez. Pas très cher, vous faites des annonces au canal monde pour dire que vous les achetez à 250 PO, que vous les achetez vraiment pas cher, comme celui-là par exemple vous achetez à 500, et une fois que ces costumes là ont été vendus, enfin ont été tous vendus, qu'il n'y en a plus du tout sur le marché du commerce, voilà, dans le HDV etc, vous pouvez les revendre à un très très gros prix, forcément il y a forcément quelqu'un qui en voudra. Vous pouvez donc revendre et gagner beaucoup d'argent. Bon, là ils sont en train de dire un peu n'importe quoi, donc c'est assez difficile de se concentrer et de faire une bonne vidéo parce qu'ils sont en train de dire ils sont en train de dire des blagues, de raconter leur vie. C'est assez dur pour moi de faire une vidéo et de rester bien calme, de dire voilà comment vendre etc. Bon, en tout cas, c'est, j'en profite aussi pour cette petite vidéo à dire merci aux gens qui sont abonnés à ma chaîne et qu'il n'y aura pas de souci, je continuerai à faire des tutoriels pour les PO ou pour d'autres astuces, les petits bugs que je trouve, comment être fort aussi, pas de problème, je pourrai faire un peu de tout. Bientôt, je pense que je vais faire préparer un tutoriel pour vous montrer comment fabriquer des armures et des armes violettes. Je pense que ça serait très utile. On me demande souvent comment je fais pour fabriquer un peu toutes les armes que j'ai en violet ici, les armes violettes, les armes maudites que j'ai, comment je fais pour fabriquer tout ça. Donc ça serait assez sympa de vous expliquer, vous donner l'astuce. Et donc voilà. Ensuite, pour ce qui dit de l'achat et de la revente, ça marche vraiment super bien. Je préfère dire tout de suite, je n'ai pas mis d'argent dans le jeu et je me débrouille comme ça en fait. J'achète le moins de petits trucs que je vois pas cher, je l'achète. Là je regarde la HDV, je vois les enchères, voilà par exemple. Je recherche, je vois un costume qui est pas cher. Par exemple, ces costumes-là, en Canal Monde ou en Étal, il y a des gens qui vendent ça à 300 PO. Les ailes aussi, il y en a qui en vendent pas cher. Donc le but, c'est de les acheter. Et une fois qu'il n'y en a plus du tout en vente, vous les revendez et vous faites beaucoup d'argent parce que ces costumes-là seront devenus rares. Donc, il suffit d'acheter et de revendre.
Vous pouvez faire un bénéfice d'à peu près 100%, voire 200%. Si vous achetez un costume qui coûte 200, vous revendez ça 5 fois plus cher, vous gagnez 1000 PO. Donc vous faites un bénéfice de 800 PO, c'est pas négligeable. Si vous dépensez, donc si vous faites un bénéfice de 100%, vous dépensez 20 000 PO, vous faites 40 000 PO. Vous dépensez 50 000 PO, vous faites 100 000 PO. Là, j'ai dépensé pas mal de PO. Je vais revendre tout ça, je vais gagner beaucoup d'argent. Par même occasion, moi-même, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté les points des enfers. J'ai même mis quelques armes en plus 13. Et voilà. Donc voilà, le tutoriel est terminé. J'ai pas besoin de vous expliquer plus de choses puisque vous voyez. Là, je vous ai donné l'exemple. Voilà, vous les achetez à bas prix en canne allemande. Dès que quelqu'un vend, il ne faut pas hésiter à lui demander à un prix très bas. Et ensuite, vous revendez très cher lorsque ces objets-là sont devenus très rares. Donc voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est assez difficile pour moi de faire quelque chose de très sérieux parce que j'ai tendance à rire avec leurs bêtises qu'ils sont en train de me dire là. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a fait plaisir, ce petit tutoriel. Je compte en faire d'autres aussi. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose durant la vidéo ou que j'ai pas bien expliqué quelque chose, n'hésitez pas à me contacter sur le jeu. Il n'y a pas de souci, je vais vous réexpliquer. Et j'espère que ça vous a fait plaisir et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt. Au revoir.